Salut, aujourd'hui je compte vous faire une vidéo vite fait par rapport au dropshipper et c'est une vidéo une fois en fait, motivation et dit aux gens qui font le dropshipping ou qui ont une entreprise carrément plus dans le domaine du. J'aimerais vous informer d'un truc. Il faudra que vous compreniez que il faudra un produit ou une entreprise ou un business pour changer de vie. Il faudra que vous compreniez que réussir dans un business, ça voudra dire en fait que se consacrer au business. Et ce qui est important de comprendre est que c'est pas toujours rose en fait. Les gars, et je vais vous expliquer un truc clairement pour que vous puissiez comprendre. Quand on voit des gens qui font des chiffres incroyables, il faudra que vous compreniez qu'en arrière-plan, il y a tout un travail qui a été effectué. Donc, je m'adresse aujourd'hui aux jeunes frères qui se lancent peut-être dans le e-commerce et qui se disent, ok, je vais faire le e-commerce, je veux, vous avez peut-être les moyens parce qu'il faut comprendre que dans le dropshipping, il faut tout au moins pas mal d'investissements à faire et vous vous lancez. Mais gardez en tête une chose, même moi-même qui suis ici, je galère pour trouver des produits, je galère pour trouver des stratégies qui performent, je galère pour pouvoir faire réussir mes entreprises, mes activités. Ce n'est pas que tous les jours c'est rose, voilà, tout le temps je fais des millions. Non, c'est faux, c'est pas ça. Il y a des moments où je me suis fait bloquer par Strap, il y a des moments où je me suis fait bloquer par Facebook, il y a des moments où je me suis fait bloquer par mes activités. Actuellement, même j'étais, et il y a cela un mois, j'étais complètement en off parce que mon compte Facebook était bloqué. Il y a des tas de problèmes que je rencontre tout le temps. Mais une chose est claire, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Et je vous parle aussi de vous dire en fait que ayez un esprit ouvert. Ne soyez pas renfermé sur vous-même. Ne pensez pas que vous avez toutes les compétences possibles. Moi, je me dis aujourd'hui une chose, si j'ai la grâce d'avoir des gens de mon entourage qui arrivent à s'élever dans le domaine du web entrepreneuriat, c'est une grâce. Il faudrait que je puisse, si j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je peux m'adresser aux amis. Donc, ne sois pas renfermé sur vous, d'accord? Donc, il faut comprendre une chose, même si tu galères pour trouver un produit, même si tu galères pour faire réussir ton entreprise, ne décourage pas. Hier, j'étais avec un ami et qui avait créé une plateforme très performante, une plateforme vraiment spéciale que j'ai beaucoup aimé, j'en ai même parlé sur Instagram. C'était vraiment, en fait, c'était émouvant de voir que les Africains font des trucs extraordinaires. Mais écoutez, il m'avait dit dans son message que chaque fois qu'il se lève, il voit sa femme, il voit sa plateforme, il voit son site qui est en ligne. Et je dis que ils ont encore résisté à vaincre le combat journalier. Et ce que je veux vous dire, c'est pas pour vous dire que en fait que vous ne faites pas assez. Je ne suis pas en train de vous dire que ok, ah voilà, j'ai réussi et tout. Ça ne fait pas de sens. Vous comprenez? Le monde fonctionne à l'envers. Quand tu montres à quelqu'un que tu es millionnaire, ne pense pas que cette personne va penser de manière correcte. Mais quand tu impactes sa vie, cette personne peut vraiment te considérer. Je passe par là pour expliquer aux gens qui me posent la question pourquoi je ne montre pas quelques mes chiffres. Écoutez, chacun a sa conviction et sa manière de faire des trucs. L'idée dans la vie, ce n'est pas de se concurrencer à quelqu'un, d'accord? Ce n'est pas en fait forcément montrer à quelqu'un que tu as un niveau. Mais le truc, c'est d'être réellement à ce niveau. Je vous garantis, hein, ce n'est pas vous aussi les entrepreneurs. Tout le monde travaille. Tous les entrepreneurs travaillent. Les web entrepreneurs travaillent tout le temps. Et la vérité est qu'il faut tester. Je galère dans ma société pour trouver des produits gains. Je galère. Ce n'est pas que même Yomi, même des gens qui font des chiffres incroyables, ils ne vont pas vous dire que pop, quand ils trouvent un produit, automatiquement c'est gagnant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si c'était comme ça, c'était trop facile à le faire. Il faudrait que tout le monde puisse garantir, porter garant. Même un coach peut vous dire, ok, je te garantis obligatoirement ton succès. Mais aucun des coachs ne vous garantit ça. Parce que quoi? Ils savent que l'entrepreneuriat, c'est un processus. Je vous dis ça pour vous dire à tous ces frères qui se battent tout le temps, qui travaillent matin, midi, soir pour changer de vie, de persévérer. Ne vous découragez pas, croyez en vous. Et je sais que vous avez un discours que vous écoutez tout le temps. Mais écoutez, les grands accomplissements commencent par les grands pas, par des grands échecs. Et même si c'est le jour que vous avez quitté ce monde, c'est ce jour-là que vous avez terminé votre combat sur terre. Je vous dis une chose. Ce n'est pas facile pour quelqu'un, personne, même les plus riches, ils souffrent. Les entreprises comme Amazon, les entreprises comme Facebook ont toujours des problèmes. Et ce n'est pas en fait vous qui sera accepté,
je vous garantis que si vous croyez en ce que vous faites, si vous croyez en votre business, si vous croyez en votre boutique, si vous croyez en votre activité et que vous n'êtes pas renfermé sur vous, parce que faut comprendre que en Afrique, nous sommes trop renfermés sur nous-mêmes, on ne peut pas se décompresser et tout. Mais si vous croyez en ce que vous faites, et vous continuez, vous persévérez, vous allez y arriver. Je dis ça pour soutenir tous ces amis, tous mes amis et toutes ces personnes de ma communauté qui un jour m'ont soutenu et qui ont aussi passé à l'action et aujourd'hui sont à un niveau. Je vous félicite énormément, c'est bien, il faut continuer et je vous garantis que vous n'êtes qu'au début et il faudrait que vous optimisez dans ce que vous faites et le succès sera là. Merci et abonnez-vous à cette chaîne YouTube.